Vous regardez RTL. Les auditeurs face aux grosses têtes. Au téléphone, Céline. Bonjour Céline. Bonjour Laurent. Dis-moi Céline, toi qui es notre aînée, pourquoi n'as-tu jamais pensé à te marier? De toutes les femmes qui vivaient ici, tu es la seule sans mari. Oh non, non, ne rougis pas, non, ne rougis pas. Tu as toujours les yeux bleus. C'était la version d'Hugo Pafray. Par contre, s'il y a une des grosses têtes qui est célibataire et qui veut bien m'épouser, moi je veux bien. Ah, attendez, attendez. Ah, pardon. Elle cherche un homme. Céline est célibataire. Bah, c'est pour vous, Saint-Pierre. Pas tout à fait, mais on va dire je suis très ouverte d'esprit. Ah. Et pas que d'esprit, apparemment. Vous avez quel âge, Céline? J'ai 44 ans. Ah. Ça, c'est l'appel au harcèlement. Hein. Ouais. Parce que vous savez, le harcèlement, on dit que c'est une histoire toute simple. Hein. Ça commence par un non, ça finit par un oui. Hein. Ça va être coupé, ça, Pierre, en ce moment. T'occupes de ce qui va être coupé, hein. Pense à ta bite, pauvre. Moi, pour l'instant, elle est entière. Quel temps fait-il en Vendée aujourd'hui? Il fait un temps magnifique, comme tous les jours en Vendée, et j'invite tous les gens à venir visiter notre beau département. Philippe de Villiers, vous pourriez dire bonjour à Madame Verdun. Bonjour Céline. Alors effectivement, vous représentez le magnifique département de la Vendée. Alors j'aimerais que vous disiez à quel point le Puy-du-Fou est l'endroit le plus magnifique du monde, de la planète et même de l'univers. C'est tout à fait ça, exactement. Donc, le Puy du Fou, et bientôt vous pourrez assister au Noël du Puy du Fou. Ah oui, oui. Ah oui, je serai déguisée en père Fouettard. Attention, les petits enfants. Je pense que Céline est partie. Enfin, sa place. Non, je suis toujours là, je vous écoute. Elle n'est pas encore partie parce qu'elle n'a pas gagné le voyage. Avec... Mais où? Avec Céline, c'est un voyage au bout de la nuit. Oh. Où vous voulez, monsieur Bénichou? Oh là là. Bravo. Eh ben, vous pouvez dire en rentrant dans votre campagne pourrie, ça c'est Paris. Enfin, vous voyez pas comment vous parlez au public. Il n'y a pas de la campagne pourrie, notre public. Mais pas du tout. Il y en a qui tiendraient très bien à Paris. Je parle des féminines. Les mecs, c'est pas terrible. Hein, ah, vous avez repéré des dames très bien en premier rang. Non, je ne repère plus rien parce que j'ai eu un avertissement. Il y a Beaugrand qui est en train de me cacher un des plus beaux visages que j'ai vu depuis la guerre. J'étais installé, je cachais une personne du public au premier rang sans faire exprès. Je comprenais pas pourquoi tu faisais attends, des... va mettre oui, mais attends, oui, mais qu'est-ce que tu veux? Dégage. Je pousse la table. Mais mets-toi par là-bas. Voilà, je pousse comme la table. Comme ça, le jour où on va te virer, tu seras plus près de la sortie. fais gaffe, ça pourrait arriver plus vite pour toi. Mais cette jeune femme est bien trop jeune pour vous, monsieur Bénichou. Même pour moi, elle est jeune. Non, il faut donner leur chance aux très jeunes. Bon, je la pose ma question, là. Mais parce que Céline stresse, là, je suis sûr. Elle est peut-être sans emploi, elle a le temps. C'est la 33e qui démarre aujourd'hui. Il n'y a pas de quoi s'en féliciter. De quoi s'agit-il? On sait. La campagne des Restos du Cœur. Bravo!